Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien. C'est votre homme serviteur Héritor. Aujourd'hui, on va encore au Mali. Voilà. Mes abonnés maliens, j'espère que vous êtes nombreux et vous serez nombreux à partager cette vidéo-là. Parce que vous savez que avant-hier, j'ai fait une petite vidéo enquête pour savoir Kidi Bawane et les Sidi Kidibaté contrôlaient vraiment la jeunesse malienne. Voilà. Qui était vraiment le boss au Mali. Et franchement, au sorti de cette vidéo-là, franchement, qui a totalisé, je crois, plus de 500 000, 5 500 vues, voilà. Il y a eu plus de 100 commentaires, plus de 100 commentaires, franchement. Il y a eu un verdict et je vais me presser de l'analyser et puis vous le donner, voilà. Donc on va juste commencer la vidéo. Après le générique, à tout à l'heure les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? Des progrès, progrès à la base. Je procède à des virements, des virements. Bon retour les amis, bon retour. Vous connaissez, c'est toujours Héritor. Max de like, max de like, beaucoup de partage et surtout vos avis en commentaire. Parce que c'est à cause de vos avis que je donne ce verdict là aujourd'hui. Donc, chers abonnés maliens, chers admirateurs de Héritor, commentez, partager, soutenir Hériton. Voilà. J'ai fait un petit message à un petit groupe de personnes là. Vous là, je vous dis quelque chose. Quand je fais des vidéos longues là, d'abord, un, ça me prend beaucoup de méga octets. Beaucoup. Voilà. D'après vous, je ne dis rien de bon. Mais ceux pour qui je ne dis rien de bon là, ils sont toujours là pour regarder mes vidéos. Ils sont toujours là prêts à me soutenir. Donc, je vous en supplie. Épargnez-moi vos commentaires. Voilà. Quand quelque chose ne t'intéresse pas, tu zappes. Je ne supplie personne à regarder mes contenus. Si vous êtes plus de, je sais pas combien, j'ai pas envie de dire le nombre d'abonnés actuellement là, c'est parce que vous aimez vraiment la petite personne d'Hériton. N'arrêtez d'être hypocrite. Voilà. Et puis, je vous dis, moi en tout cas, tant que j'aurai envie de vous répondre, de vous mettre à votre place, je vais vous mettre à votre place. Parce que je suis même pas dans les histoires des gens, Hériton, et tout ça. Ils me concernent pas sur eux en fait, mais ces gens de personnes, il faut leur montrer leur place. Voilà, c'est une bande d'hypocrites, c'est un groupe, je sais pas comment ils sont. Ils trouvent toujours quelque chose à dire. Je me rappelle dans le temps, quand je faisais des vidéos courtes, on dit, mais tes vidéos ne durent même pas. Et puis tu donnes pas tous les détails. Quand j'essaie de donner certains détails ou bien d'essayer d'expliciter certaines choses, certaines situations du showbiz, on trouve que je parle trop. Mais si je parle trop, tu regardes les 2 premières minutes et puis tu te barres. Tu peux regarder toute la vidéo. Mais il y en a qui regardent toutes mes vidéos. Puis il y en a qui aiment mes vidéos longues. Voilà, ils adorent ça. Donc, excusez-moi. Ne me faites pas chier. Je vous demande pardon. Voilà, cette vidéo-là, je la fais pour Ibawan et celui qui débattait et mes abonnés maliens. Eux, ils sont prêts pour moi. Voilà, ils sont prêts pour moi. Ils ne sont pas hypocrites. Si mes vidéos longues ne te plaisent pas, tu te désabonnes simplement et puis tu ignores mes contenus. Voilà. Parce que pour ceux qui ne savent pas, quand j'ai sur YouTube là, même si Mahomet ou Jésus même créait sa chaîne YouTube, vous allez voir qu'il y a des personnes qui vont venir s'abonner. Après, ils vont se désabonner. Il y a d'autres personnes qui vont venir. Donc, ceux qui se désabonnent, ne vous gênez pas en fait. Ça, je le dis toujours. Désabonnez-vous. Voilà. Mais arrêtez d'être hypocrite. Vous me fatiguez. Voilà, vous me fatiguez maintenant. J'ai pas envie d'être grossier avec vous, mais vous me fatiguez. Vous faites chier un peu les gens en fait. Voilà. Vous pensez qu'à part vous là, il n'y a pas d'autres personnes qui me regardent. C'est vous seulement qui me regardez. Puis vous regardez les commentaires. Vous n'avez pas honte. Dans 300 ou 500 commentaires, il y a au moins 2 ou 3 personnes qui disent que ah, Hériton, toi tu ne dis rien. Ah, Hériton, tes vidéos sont trop longues. Va droit au but. C'est ma manière à moi de faire les vidéos. Je fais ce que je veux. Voilà. Hier est venu encore ces histoires de gens, je ne sais pas parler aux artistes. Attends. Ce qu'ils disent là, c'est parce que vous n'êtes pas trop intelligent ou bien c'est parce que vous n'aimez pas Hériton en fait. Voilà. J'ai été tellement courtois avec vous, c'est pourquoi vous vous permettez ça en fait. Sinon, si je n'avais pas donné mon numéro à certains, jamais. On allait se connaître seulement par mail et puis par commentaire. J'ai tellement voulu me rapprocher de vous que vous pensez que, genre, bon, je suis une tapette maintenant, quoi, vous pouvez marcher sur moi. Moi, je ne suis pas comme ça, hein. Moi, je suis pas comme ça, hein. La deuxième personne d'Hériton, là, vous ne la connaissez même pas. Voilà. Les vidéos que je fais là, c'est l'éducation que j'ai reçue là, je viens montrer. Sinon, nous tous, on a un côté bad. Donc, arrêtez d'emmerder les gens. Voilà, vous me faites vraiment, vraiment chier. Chers abonnés maliens, excusez-moi, hein, on parlait de nos artistes tout à l'heure, mais il faut que je m'adresse à ces derniers-là. Ils commencent à m'énerver. Et puis, je vous dis, chaque fois que vous allez venir laisser vos avis à 2 balles là, je vais vous répondre. Voilà, ici, pas dans les histoires des gens, non, j'ai une personnalité publique. Ne confondez pas critique et puis injure
ou bien critique et puis moquerie, c'est pas la même chose, hein. Voilà, c'est pas la même chose. Donc ceux qui vont m'insulter, je vais les insulter. Ceux qui vont se moquer, je vais les répondre comme je vais répondre. Clairement, voilà, il ne suis plus dans ces histoires-là. Parce que moi-même, je trouve qu'il a été trop bien avec ces idiots-là. Voilà, les vrais sont toujours là à me soutenir. Les vrais toujours sont là à partager mes vidéos. Vous, il n'y a même pas besoin de vous-même. Parce que vous salissez le nombre de vues, mes nombres de vues. Honnêtement, voilà. Excusez-moi si j'ai été désagréable, hein, mais il faut ça souvent. Voilà, il faut montrer aux gens que tu n'es pas Jésus-Christ. Voilà, tu n'es pas Jésus-Christ. Moi, quand je fais mes vidéos, je réfléchis pas 10 fois. 100 fois même avant de sortir une phrase dans ma bouche. C'est pourquoi vous pensez que je caresse les gens, mais je suis pas direct là, non. Conseiller quelqu'un, c'est pas venu le blesser. Conseiller quelqu'un, c'est pas venu l'insulter. Conseiller quelqu'un, c'est pas venu l'humilier. Voilà, si c'est pour ça que vous trouvez que je caresse certains ou bien je sais pas quoi là, dégagez. J'ai même pas besoin de vous. Voilà. Maintenant, on va parler de Ibawan et Sidiki Diabaté. Non, chers abonnés, excusez-moi si j'ai été long, hein, mais il faut ça souvent. Voilà, il faut ça. Moi-même, ça me plaît même. Si vous savez à qui vous avez affaire, vous allez arrêter d'être aussi désagréable. Bon, vous vous rappelez les amis, ma vidéo avant-hier où je disais est-ce que Sidiki Diabaté est plus influent qu'Ibawan au Mali? Mais moi je vais dire quelque chose, ça n'engage qu'Héritor de Cher TV. Je n'ai pas dit que c'est le monde entier qui a dit, c'est Héritor de Cher TV qui parle, Héritor lui-même qui est en train de parler. Au regard de quoi? Au regard de ses commentaires, au regard de son audience. Donc pour l'audience d'Héritor de Cher TV et au regard du nombre de vues et des commentaires, on a vu clairement mes abonnés maliens et même non maliens dire que c'est Ibawan qui est le boss par rapport à Sidiki Diabaté au Mali. Bien que Sidiki Diabaté soit international, mais quand on parle de Mali, Sidiki Diabaté n'a rien à dire là-bas. Voilà, c'est ce que les commentaires ont dit. La vidéo encore là, vous pouvez aller regarder. Voilà, la majorité, la nette majorité. Je pense même que si peut-être 120 commentaires, il y a eu que je crois 5 ou 7 commentaires positifs pour Sidiki Diabaté. Tout le reste était Ibawan. Ibawan, Ibawan, Ibawan. Voilà. Parce que on me dit que Gaspi a rempli le stade du 26 mars. C'est pas faux. Mais on dit aussi, et regardez ce que je vois sur YouTube, les vidéos sont là sur la chaîne de Ibawan. Personne ne remplit mieux. Je dis bien, écoutez bien ce que je dis. Hein. Personne ne remplit mieux le stade du 26 mars comme Ibawan. Et moi, au regard des vidéos que j'ai sur YouTube, qui ne sont pas truquées, on voit nettement l'engouement des fans maliens d'Ibawan quand leur artiste fait un concert. Les images sont là. Les images sont là. Vous tapez Ibawan, stade du 26 mars, tout va sortir. Vous allez voir combien de fois il est influent au Mali. Voilà. Et puis, je ne pense pas qu'une star même qui va sortir de l'extérieur va venir faire la même chose là. Au stade du 26 mars, ce sera vraiment, vraiment difficile. J'ai aussi vu le stade du 26 mars de Gaspi, mais ce n'était pas totalement rempli comme celui d'Ibawan. C'est ça que la simple vérité, quoi. Maintenant, ce qu'il faut savoir, je ne suis pas en train de dire que Sidiki Diabaté n'a pas ses fans au Mali. C'est pas ce que je dis. On parle d'influence. Et puis, je ne parle pas de force. Vous, souvent, vous exagérez. C'est vous qui nous mettez en erreur. Parce que vous dites toujours, vous répondez toujours à ce qu'on vous demande pas. Ma première vidéo disait Sidiki Diabaté plus influent qu'Ibawan au Mali. Et puis j'ai commenté un peu ce titre là. Et puis je vais laisser réagir. Je vois des personnes dire Ibawan est plus fort que Sidiki Diabaté. Or Sidiki Diabaté c'est un griot, Ibawan c'est un rappeur. C'est même pas la même chose. Je parle d'influence, c'est à dire quand quelqu'un fait sortir un morceau au Mali, comment ça bouge dans le Mali. Quand un gars fait par exemple une manifestation, un concert ou je ne sais quoi encore au Mali, quel est l'engouement? C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas en train de parler de fort ou de nul. Non, 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 non. Ne mélangeons pas les choses, les amis. Voilà. Donc, le verdict d'Héritage de Cher TV est tombé. Et puis, ne vous inquiétez pas. Comme je vous ai dit là, mon matériel est en train de venir. Voilà, ma DA tété. Une fois, mais mon matériel est en train de venir. Quand mon matériel va venir, je vais sortir encore dans les rues d'Abidjan et revenir sur ce même sujet là. Donc, soyez prêts. Quand j'ai dit qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont commencer à se calmer, ils vont voir leur vrai visage, c'est que les gens pensent réellement de dehors là. Et puis ils vont se calmer là. Ils pensent qu'ils mentent. Calmez-vous seulement. On dit les choses qui durent là sont souvent bonnes. Donc patientez. Donc je vais sortir dans les rues d'Abidjan et puis je vais faire encore la même enquête pour voir si c'est que mes abonnés qui sont fans d'Ibawan ou si c'est un avis, un avis de tout le monde en fait, c'est ce que je veux dire. Donc les amis, Ibawan a nettement dominé
cette enquête au niveau des commentaires, à savoir de lui à Sidiki Diabaté, c'est qui le plus influent au Mali. Voilà, et on dit que c'est lui le boss. C'est lui le boss. Donc, chers fans de Sidiki Diabaté, peut-être que vous n'êtes pas manifestés dans les commentaires, mais ceux qui se sont manifestés, on dit clairement que c'était Iba One. Voilà. Et moi, je suis allé regarder aussi sur la chaîne Iba One, voir un peu ses concerts. Et c'est vraiment quelque chose de grandiose. C'est énormissime ce qu'on voit là-bas. Voilà. Donc, c'était Hériton. C'était la vidéo aujourd'hui sur Iba One et Sidiki Diabaté. Bientôt, on va parler de Fally et Ferré. Voilà. La petite rivalité congolaise. On va en parler bientôt. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et puis, restez branchés. Vous avez promis une vidéo sur l'affaire Trace TV et Malouès et le Moula. Peut-être que je vais envoyer la vidéo là. Parce que j'ai fait la vidéo et puis je suis en train de regarder d'abord l'atmosphère avant de la balancer. Voilà. Les gens racontent trop de bêtises en fait. Que Dieu vous bénisse, c'était Hériton. Ciao, ciao. On partage la vidéo et puis on s'abonne massivement. 100 000 abonnés. Opération 100 000 abonnés maintenant. Voilà. Opération 100 000 abonnés. Je sais qu'on peut. En moins de quelques mois, je sais qu'on peut arriver. Je compte sur vous. Ciao, ciao.